Aujourd'hui, nous sommes venus voir l'exposition de... De David Malkovich, voilà, qui apparemment nous parle de la construction d'une voiture. On a vu aussi une petite vidéo en noir et blanc, mais avec pas beaucoup de couleurs. Oui. Il y a un monsieur qui marche sur un cube. Il y a un monsieur qui marche sur un cube. Comme un tapis roulant. D'accord. Quand il marche sur le cube, on a l'impression qu'il fait du sport. Oui. On dirait que c'est un rêve. On dirait que c'est un rêve. Pourquoi tu dis ça? Parce que le serveur, il a l'impression qu'il va servir ses clients alors que ses clients ne sont toujours pas servis. Alors, parce que le serveur croit qu'il va servir ses clients, mais ses clients attendent toujours. On est venu pour voir un peu l'exposition et la présenter à des correspondants dans le 14e. On va leur expliquer ce qu'on a vu sans rester dans tous les détails. C'est comme si on leur faisait un résumé. On va pas tout leur dire, on va leur donner des indices qui vont les faire un peu comprendre. On a vu une image avec des petits carrés et c'est flou, on voit du flou. Pourquoi on met du flou sur les voitures, ok, et pas sur les personnages? Qu'est-ce qu'on floute en fait? Qu'est-ce qu'on montre pas? Le visage de la personne. Et pourquoi on montre pas d'habitude dans les émissions le visage de la personne? Il y a des personnes qui veulent pas montrer, leur visage. Et alors maintenant que vous avez vu cette photo, qu'on sait vraiment, là on a fait le tour entier de l'exposition de David Malkovich, d'après vous, qu'est-ce qu'il nous raconte en fait? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter?